Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 38e épisode de la carrière suivie sur Family Simulator 17. Donc dans ce 38e épisode, nous allons tout simplement commencer le forestier. Donc c'est parti. Hop. Donc je vais vous expliquer avant. Donc là c'est pour mettre les troncs d'arbres ici. On les vend ici les troncs d'arbres. Ça c'est pour tout simplement un bassin de flottage pour le bois, donc on peut aussi les jeter dedans, ça nous rapportera de l'argent. Voilà. Et de l'autre côté, j'y vais. Hop, hop, hop. Et de ce côté-là, c'est pour quand on broie les copeaux de bois, tout simplement. Et là, ici, c'est pour charger sur les trains. Non, pour décharger sur les trains plutôt. Ouais, pour décharger sur les trains. Normalement, si vous faites R. Ah, c'est E. Voilà, vous avez accès à ça tout simplement. Ah, ça se trouve, ça les vend en fait. Ah, j'ai une question, ça se trouve, ça doit les vendre. Ouais, donc ça se trouve, le carré là, c'est pour les vendre. Ici, ça se trouve, en déchargeant, on peut vendre là. Donc, on va reprendre notre tracteur tout simplement. Voilà. Et on va les couper. Donc, j'ai un mode maintenant pour enlever l'affichage. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, on va commencer à couper les arbres ici avant de s'acheter un chariot plus grand. Ouais, on va appeler ça comme ça. Un peu un chariot, une remorque plus grande plutôt. Et du coup, ça sera mieux. Du coup, on va abattre. Ah, peut-être les arbres un peu plus haut, non? Jusqu'au mur invisible. Ah oui, j'ai oublié de vous dire où allait la scierie. La scierie allait à Stanton Smo. Sawmill, voilà, elle est là. Donc je vous mettrai le truc. Comme quand je fais pour faire mes tutos. Si vous n'avez pas vu le tuto de lundi dernier, lundi 17, ça sera. Non, 19, lundi 19, de lundi 19, je vous invite à aller le regarder. C'est un tuto pour s'occuper des moutons. Donc voilà, je me diversifie, je fais aussi les moutons. Et ah oui, n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo jusqu'au bout et de vous abonner. C'est très important. Je l'avais déjà expliqué à l'épisode précédent, mais bûcheron en herbe. Ah, parce que j'ai coupé mon premier arbre peut-être, je sais pas. Ok. Donc là, je pense que ah maintenant ils ont peut-être rectifié les bugs qu'il y avait auparavant sur le forestier. Il y avait quelques bugs quand même. Hein, ça faut. Ils l'ont peut-être changé du coup. Mais oui, n'hésitez pas à regarder mes vidéos jusqu'au bout et à vous abonner. C'est pour me. Parce que ceux qui savent pas, YouTube a changé leurs critères pour être partenaire YouTube. Et moi, en fait, le peu d'argent que je gagnais me permettait de le réinvestir dans la chaîne. Et par exemple, de vous acheter d'acheter des DLC pour vous en faire part. Et cela sera possible, mais avec un peu plus de mal, du coup. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et à regarder les vidéos jusqu'à la fin, c'est pour me soutenir et je vous en remercie. Combien? 885. Ouais, c'est pas énorme, énorme, hein, tout ça. Hein. Ouais. Bon, ça me saoule un petit peu de courir là-bas, du coup, je vais en couper par là. Hop, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Puis, je les replanterai plus tard, hein, si c'est que ça. Voilà. Faudra vraiment acheter la truc pour enlever les souches de bois. La broyeuse à souches. Voilà. Oula. Voilà. 885 aussi. Ouais. Après, il va falloir que je vois pour acheter. Le problème, c'est que une remorque pour les mettre dessus. Ça coûte. Enfin, c'est un petit peu galère. Surtout, je sais pas trop ce qu'ils proposent comme remorque. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Et puis, la prochaine fois, on prendra une petite remorque. Ou peut-être à la fin de la vidéo. Du coup, là, on va pas faire spécialement beaucoup de vidéos par rapport à avant, hein, sur le forestier, étant donné que ça a pas trop changé. Il y a certes peut-être pas des nouvelles fonctionnalités, mais des nouveaux outils et modes et véhicules pour changer ça, mais il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. C'est un petit peu la galère, mon histoire. On va déjà vendre ça. Donc, je me suis mis à faire des tutos pour un petit peu diversifier ce que je fais. Donc, de toute façon, là, normalement, le bois, ça va me demander moins de préparation de vidéos. Hein. Voilà, merci. Oula! 2500! Mais pourquoi 2500, là?
Oula, j'ai pas compris. Là, j'ai pas trop compris. Voilà. Allez, on va pouvoir y aller directement le vendre. Du coup, la prochaine fois, je les couperai quand ils seront trop grands. Parce que là. Voilà, merci. 365. 355 plutôt. Normalement, là, ça devrait y aller tout seul, du coup. Oula. Oula. Voilà. Et ben voilà. Oula. Et c'est un peu grand. 2000 euros. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas les grands comme ça. Je vais en recouper quelques-uns du coup. Moi, je vous le dis. Voilà. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Tac. Hop, voilà. Donc, on va tout simplement en recouper un autre pour être sûr. Ne vous inquiétez pas, je vais les replanter peut-être. Je sais pas vraiment si je vais les replanter, mais bon. C'est en attendant qu'on ait accès à une forêt parce que, en fait, je sais pas trop où elles sont les forêts là-dessus. Parce que, regardez, où elles sont les forêts. Oula, attendez, on va sortir de là-dedans. Où elles sont les forêts? Est-ce qu'elles sont à côté du champ 4? Parce que vers le champ 12, c'en est pas, ça c'est sûr et certain. Vers le champ 4, oui, c'en est, je pense, je suppose. Mais ouais, moi, je sais pas où elles sont les forêts, en fait. Et peut-être vers le champ 27 aussi, je pense que c'en est aussi. Le problème, c'est qu'il me faut une grande remorque pour ça. Tiens, on va regarder maintenant s'il y a des remorques exprès. Parce que j'ai pas l'impression. Équipement forestier. Oui, donc c'est ça, c'est une. Comment ils appellent ça? Ouais, les souches d'arbres, ouais, voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète. Ça, bah, j'ai pas le. J'ai pas de camion pour ça, donc ouais, ça va être un peu embêtant. Je vais plutôt prendre ça, moi. Moi, il y a soit celle-là. Celle-là, elle est un peu galère. Ah, ils en ont rajouté une. Ouais. Mais du coup, il y a toujours celle-là pour le forestier. Il n'y a pas d'autre chose à part ça. C'est à voir. Ça coûte 4000. À moins que je retrouve une autre dans les modes. 882. Bah, c'était pas du bon bois alors. Tout à l'heure, ça m'a rapporté bien plus. Je sais pas ce que c'était. J'ai regroupé ces deux troncs d'arbres que j'ai galéré à se faire sortir. Je vais vous remettre vite fait. Voilà. Tout simplement l'affichage. Hop, voilà. C'est parti. Donc, on vend ça à 70 000. Du coup, ça nous a rapporté. Oh, ça nous aurait rapporté presque 3000. Ah, presque 4000 en fait. Ok. Et donc, du coup, on va aller tout simplement au concessionnaire acheter une remorque que j'ai trouvée en mode. On va acheter la nouvelle remorque. Donc, équipement forestier. Et aller ici, voilà. Donc, configuration des roues, on va mettre au maximum. Couleur des jantes, on va laisser de base. Et on va mettre en premium, voilà. Donc on va faire acheter, hein, ça coûte que 8000, c'est pas si cher que ça non plus. Et c'est vraiment la remorque de base que vous mettez sur un tracteur et on est tranquille avec ça. Ouais, comme tu veux, tu me l'accroches. Ah, c'était bon, voilà. Donc voilà, c'est vraiment une remorque de base. Donc je sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Non, ça c'est pour... Il y a marqué B et B en fait je sais pas ça sert à quoi. B c'est chargement ouais. Après les autres trucs je sais pas trop ce que ça veut dire donc voilà. Donc on va aller la tester vers le champ 1 en fait et du coup on va se retrouver vers le champ 1. Allez me voilà donc à la petite zone où on va pouvoir déforester. Donc du coup c'est vraiment vers le champ 1. Je vous mettrai un petit cercle rouge pour vous montrer. Et donc du coup, on va commencer à déforester cette zone tout simplement. On va déjà commencer par déforester les bois morts. Je pense que ça serait pas mal. Mais qu'est-ce qui se cache là-bas, tiens? Une arcade? Mais pourquoi il y a une bande d'arcade là? Ah ouais, tiens, il y a une bande d'arcade ici. Donc c'est vers le champ 1. Il y a une bande d'arcade. Ok. Mais en fait, elle sert à quoi? Genre, il n'y a pas d'interaction avec, il n'y a rien. C'est un peu bizarre. Ouais, je sais pas trop à quoi elle sert. Ouais, c'est bizarre. Bon, ceux qui savent pourquoi elle est là, je sais pas. Mais c'est vrai que je sais pas s'il y a d'autres objets cachés comme ça ici. C'est bizarre. Une bande d'arcade là, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. Polybus, ouais. C'est un peu bizarre qu'il y ait une bande d'arcade là posée comme ça. C'est un peu louche, ouais. Bon bah c'est pas grave, hein. On va faire abstraction. Ah, j'aurais dû acheter le truc pour enlever les souches. Je pense que je l'achèterai la prochaine fois. Et je vous le montrerai. Voilà. Tac. Voilà.
Hop, on va commencer déjà par enlever les bois morts. Ça aussi, c'est un bois mort. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même que je leur coupe un peu le machin. Parce qu'ils sont balèzes. Hop. Voilà. Tac. Voilà. C'est bon. Du coup, on en a encore deux là. Bon, au pire, je vais les charger dans la remorque. Et je vais vous montrer après comment ce que ça donne avec le chargement. Donc, le chargement est fait. Il n'y a plus qu'à mettre les sangles, comme vous le voyez. Il n'y a plus qu'à mettre les sangles. Mais ça, il y a une touche spéciale exprès. Hop. Vous faites L. Et voilà, tout est sanglé correctement. Et on peut y aller en toute tranquillité pour aller vendre le bois que j'ai sur ma remorque. On arrive à la scierie. Donc, est-ce que comme ça va marcher? Ça, je sais pas. Non, comme ça va pas marcher très bien. Donc, on est toujours à la scierie, hein, vers le champ 10, hein, comme d'habitude. Oh yes! Ah, oh, c'est hyper bien ça en vrai. Et du coup, ça m'a rapporté pas mal à peu près. Donc, c'était du bois mort. Après, peut-être que ça rapporte un peu moins, je sais pas. Donc, elle est super cette remorque en fin de compte. Génial. Donc, voilà les amis pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, c'était l'épisode 38. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur ma page Facebook et sur mon Twitter qui est toujours dans la description. Et à me soutenir sur mon petit PayPal, c'est sur la base du volontariat, étant donné que j'ai plus de quoi soutenir ma chaîne à part le PayPal. Donc n'hésitez pas à me soutenir là-bas. Le lien est dans la description. Donc c'était Cyrus, je vous dis à la prochaine, ciao.